Le Premier ministre chinois s'est joint aux discussions visant à réviser le rapport de travail du gouvernement avec des membres de la délégation du Shantung qui participent à la quatrième session de la 12e Assemblée populaire nationale. Li Keqiang a déclaré que la Chine est en mesure de réaliser le développement économique et social du pays pour cette année et a souligné que la Chine a besoin de développer une nouvelle économie et de promouvoir les réformes structurelles, notamment du côté de l'offre. Le Premier ministre a ajouté que la Chine a besoin que la population mette sur pied des entreprises, développe de nouvelles technologies, de nouvelles industries et de nouvelles structures industrielles. Il a aussi rappelé que l'éducation, la santé, le logement, la sécurité sociale et la sécurité alimentaire sont des dossiers de première importance pour les travaux du gouvernement.